Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Paroles de femmes, une émission créée par Femmes et Diversité, une association qui porte la parole des femmes, leur mise en visibilité, les femmes de toutes les diversités. Dans Paroles de femmes, nous interrogeons celles qui osent sortir de leur zone de confort et qui partagent avec nous leurs défis, leurs réussites et les leçons qu'elles souhaitent transmettre. C'est l'envie, le courage et la résilience qui dessinent nos trajectoires de vie. Aujourd'hui, j'ai la chance de partager ce temps avec Sadia Naït Bouda. À travers un parcours initiatique intense, Saïda est de celles qui puisent dans l'intuition pour se frayer un chemin dans ce monde. Chorégraphe, danseuse, voyageuse, elle va vivre auprès des peuples qui n'ont pas perdu la mémoire du mouvement, du corps, de la transe, pour concevoir une méthode qui permet aux femmes d'atteindre un état de présence, el-hal. El-hal est un état qui permet le lien, qui permet d'activer la danse de l'âme et qui encourage chaque femme à travers son périnée de se connecter à ce qui est fondamental pour elle. Merci beaucoup Saïda d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bah écoute, j'aurais pas aussi bien dit. Je te remercie. Je vais l'enregistrer puis je vais le copier dans mes présentations. C'est formidable. Alors, Bonjour. J'embrasse les gens qui nous écouteront et qui m'aiment et que j'aime au passage. et donc ma première question, parce qu'on s'est vu juste avant, et donc ma première question, c'est vraiment d'avant de rentrer dans le vif de ce qui t'anime, est-ce que tu peux nous raconter l'élément déclencheur ou les événements déclencheurs qui t'ont amené à entreprendre ce chemin de découverte? Alors, événement déclencheur au parcours de vie, moi je suis née en France de parents algériens pendant les années 60 dans un milieu très traditionnel et j'ai grandi dans une cour algérienne avec les femmes habillées dans leurs tenues, le boucher qui venait tous les samedis pour égorger les bêtes. Et dès que je passais le portail, j'étais en France. Donc, ce qui m'anime, c'est ce que pendant beaucoup d'années était une dualité, puisque l'un contredisait l'autre dans le contexte où j'ai grandi. Et en grandissant, en devenant une jeune femme ou une jeune fille, je suis partie parce que ce qui m'animait, c'était la liberté. En tant que femme d'immigrée, comme beaucoup de femmes issues de l'immigration, encore aujourd'hui, hein, on est soumise à ce que j'appellerais la quadrature, enfin, la quadruple peine. C'est-à-dire déjà la condition féminine, hein, que toutes les femmes du monde subissent, mais aussi l'érotisation du corps des femmes issues de l'immigration, le poids de la tradition des parents dans un contexte qui n'évolue pas, qui est l'immigration, et la discrimination raciale dans le travail. Et donc ces quatre murs, je n'ai eu de cesse que de essayer de les abattre. Et ça a été une longue vie où ce qui est déclencheur, c'est ça, c'est le désir de liberté, c'est le désir. Et cette liberté, elle s'incarne dans la seule chose qui m'appartient, qui est mon corps. Donc, avant d'être féministe par la pensée, je le suis par la revendication. La seule chose que j'ai, c'est mon corps. Donc c'est moi qui décide avec qui je me marie, et c'est moi qui décide de ma liberté, ce qui est évidemment extrêmement difficile puisque la liberté a un prix. En tous les cas, voilà, c'est ça qui m'anime, moi. Je ne peux pas imaginer qu'on me dise ce que j'ai à faire. Voilà. Donc la trajectoire est là, il y a tout un parcours, évidemment, et à un moment, après un parcours de conseil dans la presse, hein, donc tout à fait classique, professionnel, dans le service, etc.,
En parallèle, je suis quelqu'un qui mène depuis l'âge de 17 ans une quête identitaire. Qu'est-ce qu'être algérienne? Et tous les ans, je vais en Algérie. Et comme je n'ai rien à y faire, parce qu'on ne voyage pas quand on est seul et algérienne à cette époque, eh ben je dis que je vais voir la danse. Et ce n'est pas seulement que je le dis, c'est que je suis une dingue de la danse. Il y a quelque chose dans la danse qui m'a toujours... voilà, c'est mon kiff, c'est mon oxygène, c'est quelque chose que j'aime. D'autant plus que dans nos sociétés, vous savez, on a une représentation des cultures du Maghreb ou orientales, de gens qui dansent tout le temps, mais c'est pas vrai, hein. Il y a beaucoup d'interdits. Et de l'extérieur, on ne le voit pas, en fait. Parce qu'il y a toujours quelqu'un, quand vous levez pour danser, il y a toujours quelqu'un qui vous tire la jupe et qui dit reste assise. Parce que il y a des codes. En tous les cas, ces codes, en regardant les danses pendant des années, des années et des années et des années, donc en parallèle de mon métier, du fait que j'ai élevé mon fils, etc., m'ont donné à voir ce qu'était la culture d'Afrique du Nord, qu'est-ce qu'elle était par rapport au Moyen-Orient et qu'est-ce qu'elle n'était pas, et qu'est-ce qu'elle était par rapport du Maroc à l'Algérie et de l'Algérie à la Tunisie et de la Tunisie à la Mauritanie. Ça a été des voyages permanents pendant 40 ans qui n'ont jamais cessé et qui se sont toujours cristallisés sur la danse parce que le corps, dans la danse, dans la manière dont elle est mise en œuvre dans l'espace privé ou dans l'espace public, enfin, on va dire ouvert, permet de lire des choses différentes de ce qui est admis dans le contrat social communautaire. Et finalement, au bout de quelques années, je suis devenue danseuse. J'étais amateur pendant toutes ces années, puis j'ai vu qu'à force de faire tous ces voyages, ben, j'avais quand même une petite connaissance. Et je suis devenue danseuse voilà, quand mon fils est devenu grand, ben, j'ai dit, OK, moi j'y vais aussi, quoi. Il m'a dit, maman, j'y vais. Alors moi, je lui dis, ben, moi aussi, mon fils, j'y vais. Voilà, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Comment? Tu veux dire que si ton fils était, enfin, le fait qu'il soit devenu adulte et qu'il soit parti, t'as quelque part autorisé à explorer ça de manière C'est plus pas une question d'autorisation, bien qu'effectivement, enfin, tu vois, je me voyais pas mère et ne gagnant pas d'argent, parce que je sais que l'art, c'est si tu cherches à gagner du fric en étant artiste, à moins d'avoir un fabuleux coup de chance, ce qui arrive, c'est pas la question. Moi, je savais qu'il fallait que je me libère de mes responsabilités vis-à-vis de mon fils, du point de vue de son éducation, etc. Parce que je n'aurais pas pu vivre ça. J'avais cette responsabilité d'assumer. Voilà. Et donc, quand il m'a dit, OK, ça y est, moi j'y vais, ben, moi j'ai dit, moi aussi. Donc, c'était plus. Après, il y a une autre question en tant que mère, mais ça, c'est quand l'enfant est jeune. La danse, c'est dans le ventre, c'est dans le corps. Et donc, être danseuse et mère, c'est aussi très compliqué. Voilà, parce que c'est la même zone. Et l'enfant, justement. il réclame toujours sa place dans le ventre de sa mère, tant qu'il est, il n'a pas grandi. En tous les cas, à partir du moment où j'ai décidé d'aller vers la danse, j'ai créé une compagnie. Et là, bah, j'ai fait le tri de tout ce que j'avais appris au cours de tous ces voyages en parallèle. J'ai mis en place un espèce de laboratoire pour établir les fondamentaux de ces danses. Et puis, je me suis rendu compte au bout de 6 ans qu'en fait, à l'époque, on en était encore à la danse orientale. Et que quoi que je fasse, on me disait toujours, ah oui, mais alors quelle sorte de danse orientale c'est? Et je ne remets pas en question du tout la danse orientale. Hein. Elle a ses lettres de noblesse, mais en tout cas, ce n'est pas les miennes. Et je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus de cette vision extrêmement raccourcie du Et en fait, monde. De ces danses. Et je suis parti. Je suis parti vivre en Afrique. Et voilà, je me suis dit,
J'ai vu des danses là-bas, en Afrique subsaharienne, vraiment traditionnelles. Donc, il faut faire bien la différence entre une danse populaire et une danse traditionnelle. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans la danse traditionnelle, il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui s'exprime. Et c'est ça que je cherchais. Je cherchais el hal. Le hal, c'est l'état de présence qu'il y a dans ces danses, que les gens portent en eux par leur mode de vie, par un mysticisme qui est inhérent à ces cultures, par une relation à l'environnement, à la nature qui est dans le corps. Parce que ce qu'on ne. En tant que danseur ou en tant que danseuse, dès qu'on approche la danse du point de vue de quoi elle est composée, on doit penser à la corporalité des individus. La corporalité, c'est tout ce qui imprègne ton corps, c'est tout ce que ton corps imprègne de l'environnement qui t'entoure. En tant que Parisienne ou en tant que Française, tu ne marches pas comme une Touareg. Et dans ton attitude, ça se voit. Et c'est très, très long de comprendre ces phénomènes. Parce qu'ils sont multiples, c'est de l'anthropologie. C'est quelle terre, c'est quel climat, c'est quelle nature, c'est quelle nourriture, c'est quelle légende, c'est quel symbole, c'est quel. Non, mais voilà. Et tout ça s'imprègne dans ton corps. Et donc, cette corporalité, c'est ça que j'ai étudié en Afrique. Du coup, Qu'est-ce qui fait. c'est passé par une immersion justement auprès de ces différents peuples ou différentes communautés qui t'a amené à dire justement, je raccroche un petit peu l'interview parce que je sais qu'il faut que je cadre un peu. Quand tu dis, Ah, t'as raison. le corps ne ment pas. Mémoire de nos histoires, creuset de nos sensations, il est le lieu de notre incarnation sur Terre. Si on l'écoute, il nous guide. Donc c'est comme si le corps avait une sorte de boîte noire qui recensait une histoire aussi, enfin l'histoire de nos ancêtres, peut-être les traumas de nos ancêtres, mais aussi voilà l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une connexion avec l'environnement social, culturel, mais aussi géographique, qui fait qu'il y a une sorte de symbiose entre ce que l'on est et l'environnement dans lequel on est. Mais alors du coup, comment est-ce que nous qui sommes quand même assez désincarnés dans nos sociétés occidentales, en tout cas modernes, comment est-ce qu'on peut accéder à cette écoute quand on n'a pas tout ça, quand on n'a pas toute cette conscience-là? Bah, écoute, je vais revenir un peu en arrière. Parce que moi, en fait, ce que je ne savais pas, parce que tout mon trajet, je ne savais jamais que j'allais là. Parce que je fuyais, moi. Mais ce que je découvrais quand je regarde en arrière, bah, c'était ce que je cherchais. Ou en tous les cas, ça me donnait une forme de réponse. Et donc, ce que je cherchais, moi, c'était quel lien j'ai fondamentalement avec l'Algérie, qui est une mémoire pour moi très forte, qui est une mémoire douloureuse. Et pourquoi je l'ai intégré alors que je n'ai pas grandi dans ces contextes, que je ne suis pas soumise à la condition de vie d'un Algérien ou d'une Algérienne? Qu'est-ce qui fait mémoire? Et c'est en allant vers ce hal, c'est-à-dire cet état de présence absolue, que j'ai pu, en allant étudier des états de corps, de présence, qui m'ont permis de me raccrocher à ma mémoire personnelle. Donc, comment j'ai. Alors, moi, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, avant de revenir en France, c'est de dire, bon, OK, je vais pas aller transmettre le dhikr ou la danse traditionnelle telle quelle. Parce que ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qui fait commun dans le corps humain et qui est mise en action dans les rituels que j'ai étudiés en Afrique du Nord. Et là, je me suis recentré sur deux axes, la transe et l'ancrage à la terre par la connexion au ventre. Hein? On sait que les danses du ventre sont pratiquées dans toute l'Afrique du Nord par les hommes aussi. C'est un centre extrêmement vivant dans la danse dans ces régions. Et donc, en analysant le mouvement lui-même en dehors,
justement de son aspect culturel, en analysant la mécanique du mouvement qui est mise en jeu quand on fait une danse de célébration de la terre, quand on fait un rituel de transe, quand on fait un rituel de lamentation, on est sur ce on pourrait appeler les fondamentaux du corps humain. Tout le monde a un périnée, tout le monde. Alors, je reviens, la connexion au ventre se fait par un phénomène logique dans le corps. C'est que le corps, dans sa verticalité, la voûte du pied est reliée à la voûte du périnée, qui lui-même est reliée à la voûte de la poitrine, qui lui-même est reliée à la voûte du crâne. Et ces trois éléments vont permettre à la personne de se reconnecter à ce qu'on appelle le mouvement primordial. Et donc, elle va réveiller ses mémoires à elle. Parce que, comme c'est de l'ancrage, vous savez, l'ancrage à la terre, quand il est fait de cette manière, c'est physiologique, hein. On n'est pas en train de se dire, ah voilà, j'ai des racines sous terre, j'ai m'imaginer. Non, 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 c'est physique, hein. C'est la pomme qui tombe de l'arbre, c'est droit, ok? Donc là, l'énergie, elle est inversée. Et pour qu'elle passe au travers de ces quatre voûtes, le corps s'aligne. Et qu'est-ce qui fait? Ben, cette puissance énergétique, vous avez vu, c'est le printemps. Est-ce que tu as remarqué que les arbres, c'est en une journée, là, ça... Pas! Ben, c'est ça. C'est cette énergie-là qui va traverser le corps. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, comme c'est aligné, tous nos traumas, toutes nos mémoires enfouies, on les a bien mis sous le tapis. OK, ils sont bien dans les coins. Bah, dès qu'on travaille dans l'énergie de l'ancrage, bah, ça secoue. Et donc, ça se réveille. Mais j'y reviendrai, ça ne se réveille pas. Donc ça, j'y tiens, je l'explique aux personnes. On n'est pas en train de le vivre. C'est une musique de ce qu'on a vécu. Et c'est pour ça qu'on peut l'évacuer. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ben, en fait, ça c'est en lien avec ma question suivante, qui est une chorégraphe qui m'a dit un jour, un corps qui danse, c'est une mémoire qui se réveille. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est que finalement, quand on commence à s'ancrer, à se mettre en mouvement, il y a la mémoire de tout ce qu'on est, qui se trouve être, parce que c'est vrai que au niveau du périnée, c'est quand même le bassin de nos mémoires, de notre identité profonde, eh bien tout ça se révèle aussi. Dans quelle mesure est-ce que tu penses que la danse peut nous permettre d'activer des choses en nous et quelque part de nous aider à surmonter des traumas ou d'évacuer des traumas? Bah, de toute façon, tout dépend de la danse déjà. Déjà, la première, c'est le plaisir du mouvement. Alors qu'on passe notre temps à nous contrôler, à faire attention à nos attitudes, à ce qu'on dit, bah, la danse, c'est la libération. Donc déjà, c'est la première. Donc la danse en tant que telle, même si, quelle que soit la manière dont elle est pratiquée, hein, ça a des fonctions de cardio, de réguler les fonctions dans le corps, enfin, ça fait du bien, on s'éclate, c'est la joie de vivre. Ça, c'est la base. Après, selon la pratique, moi, c'est la pratique d'ancrage, mais il y en a d'autres, on va réveiller effectivement des mémoires. Mon rôle à moi, enfin, mon rôle, c'est pas mon rôle, c'est moi, je ne travaille pas sur les traumas. Hein. Parce que personnellement, j'ai renoncé à comprendre des traumas dont certains ne me sont pas accessibles, mais que j'ai quand même emmagasinés. Donc, ce que je veux, moi, c'est les évacuer. Je veux regarder devant, quoi. C'est bon. C'est bon, l'histoire. Tu vois? Alors, évidemment, On n'est pas obligé de comprendre pour pouvoir évacuer, quoi. C'est-à-dire, il y a un truc qu'on peut laisser. c'est pas ça que je dis. Non, non, c'est que moi, c'est là que je suis. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre, qui peuvent encore comprendre. Et là, il y a des gens pour les accompagner, dont c'est le métier. Moi, c'est retrouver l'énergie vitale et ne pas se laisser ensevelir par nos douleurs. Ne pas se laisser abattre. Moi, c'est ça qui compte. C'est d'être vivant avant la mort. C'est de vivre avant la mort, quoi. Voilà. Avec ce poids ou pas. Voilà. En fait, Après. c'est un état de présence, mais c'est surtout un état de connexion à soi. C'est-à-dire, il y a une sorte de lien qui s'active lorsque tu te mets dans cet état de hell. Alors, le hell n'est pas propre à la danse, hein.
Tu vas voir des gens dans la rue, tu vois qu'ils sont présents. Alors, c'est un mot en Afrique du Nord et au Maroc, en Algérie. Moi, j'adore ce mot parce que suivant le contexte, il n'a pas du tout le même sens. Tu peux dire kifalhal, comment vas-tu? Ça veut dire état en langue arabe. Hein? Kifalhal. Mais ça peut être aussi, oh là là, avec le hal, on s'est amusé, oh là là, l'ambiance. Mais tu peux dire aussi, il a une grande présence. Donc, bon, d'abord, j'aime bien ça parce que je suis quand même. Voilà, j'aime rigoler moi hein, aussi. Hein. J'aime que les choses sérieuses soient faites aussi en s'amusant. Donc cette ambivalence de mon état, donc c'est un état de présence. Maintenant, quand on peut apprendre cet état de présence par la danse. Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement dans le hal, qui sont connectés. Et pour moi, aujourd'hui, on n'est plus connecté. Donc, j'ai créé une méthode de connexion où la personne et où ça va, c'est-à-dire, ça va pas se passer que dans le cours, en fait. Ça va cheminer et ça va faire qu'on est, tu vois, que je peux parler avec toi, on oublie les écrans, on est toutes les deux, il y a du thé, c'est sympa, il fait super beau, tu vois, on crée de l'espace, on crée un monde dans la présence. Alors du coup, comment est-ce qu'on atteint cet état? Il y a différentes étapes, on en avait parlé lors de la préparation. Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces différentes étapes qui nous permettent d'accéder à cet état de... Tu parles techniquement? Techniquement, oui. Bon, alors, d'abord, en tous les cas, de ce que je fais, hein, moi déjà, d'abord, j'essaye de mettre les personnes en condition pour couper avec l'extérieur. Donc, le réel, c'est déjà arrêter le temps. Alors, moi, je le fais parce que je fais des encens thérapeutiques qui vont nous amener au silence. Et qui vont nous permettre de couper avec notre rapport au social. Alors justement, je fais une petite parenthèse très intéressante. Là, il y a une personne qui est venue à un de mes ateliers et que j'ai eu au téléphone par la suite et qui m'a dit, tu sais, il y a quelque chose que je voudrais te dire. J'ai un peu regretté que quand on arrive dans ton stage, on se présente pas. Moi, on se présente pas dans mes stages. C'est-à-dire, qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi tu es là? Et je lui ai dit, bah, tu sais, tu fais bien de me poser la question, mais est-ce que c'est vraiment important? Puisque ce qu'on voudrait, c'est nous rencontrer par ce qu'on est dans notre corps. Parce que si on commence ça va être très difficile. D'abord, qui peut se définir de manière aussi brutale? Et moi, je ne te cache pas que la première fois que j'ai été dans un stage, parce que je suis venue à la danse très tard et qu'il y a eu un tour de table avec ça, j'ai dit, mais ça intéresse. Tu vois, en fond de moi-même, j'ai dit, mais non, moi, j'ai pas envie de dire pourquoi je suis là, c'est tout. Tu vois? Et donc, ça, déjà, c'est-à-dire que j'essaye de couper tout ce qui fait ce qu'on prétend, en fait, en quelque sorte, ou ce qu'on nous pousse à faire, c'est-à-dire se définir. Mais être à l'écoute. Parce que quand j'étais en Afrique, j'étais dans la majeure partie des zones où j'étais, je ne parlais pas les langues. Et ça, c'est extraordinaire comme expérience de ne pas connaître une langue dans un pays. Surtout, enfin, surtout que moi, j'étais plutôt. J'avais pas besoin enfin, bref, de connaître cette langue. J'étais là, je voyageais. Donc, j'essayais de comprendre les choses à un autre niveau. Donc, déjà, c'est ça mon premier sas. Donc, je mets en œuvre plein de petites choses qui fait qu'on va créer un espace extraordinaire dans notre vie ordinaire. Donc, il y a un sas. Ensuite, je mets en place un échauffement spécifique pour se connecter à la terre, pour faire descendre dans le bassin l'énergie par l'activation du périnée. Donc, c'est toute une pratique en souffle, en écoute de soi. Donc là, c'est individuel, en conscience corporelle et surtout en maîtrise de la peur. Je crois que ça, c'est le plus important. Parce que s'occuper de soi, ça fait peur, en fait.
Parce qu'aller à la rencontre de soi, bon, bah, hein. Et puis ensuite, on va passer à des mouvements archaïques tirés de rituels ancestraux, mais et que je vais proposer aux femmes de pratiquer dans un mouvement répétitif. Et là, il y a quelque chose qui se passe au niveau des libérations émotionnelles. Je les prépare, je leur explique avant. Toutes mes ateliers commencent par raconter, expliquer, dire qu'est-ce que la transe. Que la transe, vous savez, on parle beaucoup d'état modifié de conscience, tout ça. Moi, je pense que ce sont deux états en parallèle. L'état, tu vois, tout à fait rationnel, et l'état de la sensation. Mais c'est pareil. Donc, à tous les moments, je peux dire là, j'arrête. C'est trop. Et je reviendrai jusqu'à ce que le corps s'habitue à aller dans les mondes qu'on n'a plus l'habitude de visiter, qui sont les mondes de l'intuition, de la sensibilité, du sensible, de l'intangible aussi. Donc non rationnel, mais vivant. Et après, on passe à des danses où on va... Après, bah, on voit comment le corps se réaligne, etc. Et puis on continue dans la danse. Voilà, ça, je ne sais pas si... pour moi, ce qui est important d'abord, c'est de se reconnecter à son corps, de se réapproprier à son corps, de l'entendre. Par exemple, quand on fait des mouvements... Malgré le fait que j'explique dès le départ de dire tout ce que je vais vous proposer vient de rituels de soins. Donc, si vous vous faites mal, c'est qu'à un moment, vous forcez. Donc, c'est un signal. C'est votre corps, vous êtes les maîtres de votre corps. C'est vous, votre professeur. Donc, vous devez trouver le chemin. Et les gens qui ont un handicap, par exemple, sont pour nous des maîtres. Comment ils transcendent quelque chose qui pour nous nous paraît absolument impossible, de faire du sport, de faire des arts, de faire de la danse, parce qu'ils trouvent le chemin. Et ça, c'est ce que je propose de dire, on doit trouver le chemin dans le corps. Il ne faut pas chercher à réussir, parce que la réussite et l'échec n'entrent pas du tout dans ces choses-là. Tout est juste, parce que ce qui est intéressant dans le mouvement archaïque, c'est que même s'il est, il a l'air d'être mal fait, il a toujours le même effet. Vous voyez, c'est comme une super pomme rabougrie et une pomme avec des grosses joues, là, comme ça. Bah, les deux, elles ont du goût si elles sont bien. Vous voyez, le mouvement archaïque, c'est ça. De toute façon, il a le même effet bénéfique sur le corps. Donc, déjà, apprendre à se dire... Ah, je vais faire ce qu'elle me demande, mais là, ça tire, donc je vais trouver le chemin. C'est déjà une révolution, parce que c'est l'autonomie. Et c'est de dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et ça, je pense que c'est ça, la connexion à soi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Parce qu'on a plein de gens qui peuvent nous aider, mais il faut savoir les trier, je pense. Et puis, je trouve que ce qui est intéressant dans ton approche, c'est l'intérieur-extérieur. C'est-à-dire, on a une image sociale, c'est vrai, mais on se connaît très peu de l'intérieur, en fait. Et justement, adopter une méthode qui permet de savoir qui l'on est de l'intérieur, ce qui est juste, ce qui est authentique, ce qui est bon pour soi, bah, aide, je pense, beaucoup les femmes, même si c'est une méthode qui ne s'adresse pas exclusivement aux femmes, il me semble. Non, 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 bien sûr. Enfin, il faut dire une réalité française, c'est que c'est plutôt les femmes qui dansent. Moi, j'attends de trouver une salle immense qui me programmerait pour un atelier qui s'appellerait Mon périnée sur la planète et qui concernerait tous les genres, femmes, hommes et tous les genres sexuels, etc., etc. Parce que là, je suis sortie d'un stage, j'étais en Belgique. Quand j'ai dit que les hommes avaient un périnée, la majorité des femmes m'ont regardé, elles ne savaient pas. Hein, c'est un organe du corps humain, ce n'est pas un organe féminin, particulièrement. Donc, c'est un organe qui est au centre de tous les mouvements du corps. C'est comme des voiles, si vous voulez. C'est comme
un modérateur du mouvement. Et donc, moi, je rêve de ça. Après, c'est le contexte. Au début, c'est parti du confinement, cette histoire du féminin pour moi. C'est-à-dire que, ben voilà, il n'y avait que des femmes. C'est là que j'ai centré sur des choses qui concernaient particulièrement les femmes, les transféminines et le périnée. Et puis, les femmes ont exprimé le besoin d'être entre elles. Ce qui, moi, ne me... au départ, j'ai un peu freiné des cas de fer parce que je ne suis pas. Voilà, moi j'ai été élevée dans un milieu où les femmes et les hommes sont séparés, donc la mixité était essentielle, mais ça a été une demande. Et juste en aparté, ce qui est marrant, c'est que j'ai une assistante qui m'aime beaucoup. D'ailleurs, je voudrais lui faire un grand coucou parce que c'est grâce à elle que je donne mes ateliers, puisqu'elle accueille, elle reçoit les gens, elle répond à leurs questions, ce qui est essentiel dans mon travail, hein. C'est-à-dire faire ce premier cercle, hein. Donc, Delphine, je t'embrasse très fort. Et quand elle est venue, c'est elle un peu qui me disait, non, non, mais c'est génial, ça aide à faire des choses comme ça. Entre femmes, tu te rends compte, nous, on n'a pas été initiés à ça. Et là, ça doit faire 2 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et là, elle m'a dit, quand c'est que tu fais des trucs mixtes? Donc, ça y est. Parce que c'est, y a une nécessité de ça. Ce n'est pas une fin en soi, hein, d'être entre femmes. Il se trouve que dans certaines éducations, ça fait partie de l'éducation. Surtout traditionnel. Là, on a perdu ça. C'est un passage nécessaire. Mais au bout d'un moment, bon, ça va, on a fait le tour. Oui, après c'est bien Et de. c'est une nécessité aujourd'hui parce qu'il y a eu une époque où les aînés ne se sont plus occupés des plus jeunes. Quand moi, je suis revenu d'Afrique, j'étais totalement sidéré par la vague du féminin sacré, qui était vraisemblablement avant tout un mouvement. Où les femmes avaient besoin de se retrouver entre elles. Bon, moi personnellement, ça m'a pas vraiment. Justement, c'est ma prochaine question. Tu parles de féminin ancré plutôt que féminin sacré. Est-ce que tu peux nous dire où tu vois la nuance? Ah, mais où je vois le gouffre, tu veux dire? En fait, quand je suis venue d'Afrique, il y a une femme qui organisait des cercles de femmes, qui est venue à mes ateliers. Et qui me dit, écoute, je fais un. Comment ça s'appelle? Tu sais, un truc sur Internet où il y a plein de personnes. Un webinaire. Oui. Oui, voilà. Enfin, tu sais, ils appellent ça des colloques, des sommets, enfin, bon, bref. Donc, je suis invitée et tout ça. Puis, tout le monde se présente. Et là, c'était des thérapeutes, des femmes, voilà, enfin, bon, qui se présentaient, justement, etc. Et à chaque fois, c'était le féminin sacré. Et moi, au fil de présentation, j'étais complètement perplexe sur ce terme, féminin sacré. Et donc, quand est venu mon tour en rigolant, j'ai dit, bah, moi, c'est le féminin ancré. Parce que, bon, là d'où je venais, tu vois, sacraliser la femme, c'était revenir à tout ce que j'avais fui, en fait, c'est-à-dire le tabou, tu vois. Parce que... Et puis surtout, bon, moi, je viens d'une culture très religieuse, enfin, mes parents étaient très religieux, hein, avec une foi vraiment très profonde. Et donc, pour moi, parler de sacré, c'est parler de croyance. Et donc, je ne voyais pas comment m'intégrer dans un système de croyance, puisque moi, ce que je veux, c'est la liberté. Ça me dérangeait. Enfin, je ne comprenais rien, en fait. Ça m'a dérangée, ça m'a agacée, parce que je voyais beaucoup de femmes arriver chez moi et je les trouvais très décentrées, en quête de quelque chose qui me parlait de formation de chamanisme, de formation pour devenir prophétesse. Enfin, je me disais, mais c'est. Tu sais comment s'appelle la série, là? Ah mince, bref. Bon, bref, tu sais, j'avais l'impression d'être dans de la science-fiction, quoi. C'est une formation pour devenir prophétesse ou déesse même. Quelle déesse êtes-vous? Tu vois? Mais une déesse, moi je suis pas une déesse. Il n'y a personne qui est déesse là. Tu vois, qu'est-ce qu'une déesse déjà? Tu vois, enfin, là, ça me paraissait, je ne comprenais pas. Oui, c'est le New Age, quoi. C'est un peu hors sol, tout ça. Alors, c'est pas forcément hors sol parce que pendant longtemps, je ne comprenais pas, et surtout,
je trouvais que pendant très souvent, pas tout, hein, mais très souvent, les femmes qui se revendiquaient du féminin sacré n'étaient pas ancrées. Tu vois, elles étaient en quête d'un guide spirituel, en fait, tu vois, d'une quête spirituelle. Et ça, c'est touchant. Donc, je ne voulais pas fermer la porte en me disant, bon. Et puis, à un moment, j'ai compris, ça s'est éclairé pour moi, où j'ai compris tout à coup, un jour, je me suis dit, mais toi aussi, tu as fait ton féminin sacré à ta manière, quand j'avais 30 ans, qu'il fallait que j'avais pas de diplôme et qu'il fallait que j'aille convaincre des patrons de m'embaucher et de me choisir moi. Et ben, qu'est-ce que je faisais? Je me levais le matin, puis je me disais, t'es une déesse. Et tu y vas et tu gagnes. Et donc, en fait, le féminin sacré a pris la place d'un besoin de sublimation. Tu vois, le besoin de se projeter comme plus solide que l'on est, comme plus battante que l'on est pour réussir dans ce monde quand même hyper dur, particulièrement pour les femmes. Tu vois? Donc là, j'ai juxtaposé. Et. Donc voilà, j'ai compris, donc ça m'agace plus. Je comprends le phénomène. Mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est un féminin qui tient compte des contingences, quoi. Tu vois, non, non. Moi, à 8 heures du matin, je suis un rat et à minuit, je suis une reine. Tu vois, ça dépend des moments. Tu comprends? Et c'est tout. Et je suis tout ça. Et c'est merveilleux. Et c'est ça qui me permet de transcender l'âge, les vicissitudes et même les pertes. Tu vois, c'est la condition humaine. Ben oui. Ben oui, je suis fait de chair. J'ai mes parts de médiocrité et mes parts de grandeur. Et je suis ancré là. Et ça, je le porte. Et je l'assume. Enfin, quand je dis le féminin sacré, c'est un peu hors sol, c'est que je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la fuite de la réalité qui peut être très violente, hein. Et en fait, le fait d'être désincarné ou déconnecté de notre réalité nous permet d'envisager un monde meilleur, un peu cotonneux, etc. Et ça, je pense que c'est les travers du New Age qui nous font croire à des choses qui sont pas concrètes, en fait. Donc c'est une fuite vers un univers qui est plus doux, qui est plus ouais, pas humain, mais plus angélique, voilà. Et ça, Oui, il vaut c'est un mieux. certain travers. Ah En ben. revanche, l'ancrage, c'est on est ici et maintenant, et notre réalité, ben voilà, c'est des défis, c'est aussi ben voilà, c'est l'humanité dans ce qu'il y a de plus merveilleux et dans ce qu'il y a de plus dur aussi, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve que cette approche de féminin ancré, elle est plus authentique, quoi, en fait. Oui, enfin, moi, tu vois, ouais, tout à fait. Mais pour moi, tu vois, ce que je vois, c'est que depuis que je propose cette approche, ça me nourrit énormément parce que il y a un rapport vrai, comme tu le dis, tu vois. Et donc, tu vois, ce qu'on appellerait sororité, qui est déjà même un sens du mot mal compris, puisque les sororités, c'était des groupes de femmes qui se soutenaient, alors que là, on va dans un stage pour après, ciao, hein. Donc déjà, tu vois, ce terme-là, il est déjà extrêmement dévoyé. Moi, je parle de solidarité. Tu vois? Et donc, en fait, pour moi, le féminin ancré, bah, c'est ce que c'est les femmes de ma culture, pas toutes, hein, parce qu'il y a quand même aussi les habituelles bonnes femmes médisantes, etc., comme dans toutes les. Il y a un art dans les sociétés traditionnelles de certaines femmes, hein, mais il y a des femmes qui montrent la route. Et donc, ça vient de ma culture. En plus, dans la culture berbère, moi, je suis kabyle, il y a cette figure de la Kaïna, qui est une femme réelle, pour le coup, qui n'est pas du tout une déesse, une femme qui a existé, qui s'est battue pour sa terre. Qui en même temps était devineresse, qui était mère, qui était amante. Et donc, c'était un exemple d'une femme qui conjugue toutes ces parts d'existence de la femme. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Afrique. Tu vois, les femmes tutélaires, les femmes inspirantes. Et en Europe, on dirait qu'elles sont désincarnées. On ne parle pas de la vie sexuelle de Louise Michel. On ne parle pas, tu vois, les grandes figures de femmes combattantes, eh ben, en fait, elles n'existent plus sur le plan de leur vie de femme. En tous les cas, on n'en entend pas parler.
Tu vois? Pour Alors que nous, on a ça, les Africaines. sécuriser, donc sanctuariser, et donc Ouais. forcément, on ne peut pas trop s'identifier à elle, quoi. Voilà. Enfin, si, comme pensée, mais en tous les cas, ça ne nous donne pas. Enfin, moi, ça m'a permis de me vivre sur tous les plans, tu vois, autant spirituel que physiologique, que pratique, dans tous dans tous mes facettes de femme, en tant que mère, en tant que. En tant qu'amante, en tant que femme active et en tant que sœur. Tu vois, moi, j'ai mis très longtemps à comprendre le mot de sœur. Moi, je voyage beaucoup en Afrique, donc c'est un mot qu'on utilise, ma sœur. Et vraiment, de dire ma sœur, c'est j'ai la même condition que toi. Qui que tu sois et quoi que tu fasses. Au départ, il y a quelque chose dans nos conditions, ce qui fait qu'il peut y avoir un pont. Et c'est ça qui m'intéresse. Pas de communautarisme, pas de ces Lien. étouffements culturels. Ah, alors je me dis, je dois être un dinosaure, comme on dit, tu sais, ceux qui sont plus dans l'air du temps, parce que moi, je supporte plus. Tout se fait en communauté maintenant d'intérêt ou de pensée. Et je trouve ça. D'ailleurs, tout le monde te dit, si tu veux réussir, il faut que tu fasses communauté. Mais c'est dingue. C'est dingue. Où sont les humanités? Bon, bah, on arrive au terme de notre échange. J'aimerais bien qu'on parle de tes retraites au Maroc à Essaouira prochainement, en plus, je crois. Enfin, cet Oui. Alors, en fait, mon champ d'accueil et de transmission, il se fait sur plusieurs plans. Il y a des ateliers, la danse, le périnée, le rituel. Là, on est en dehors de toute. C'est universel, c'est pour toutes les femmes qui veulent trouver un espace pour se recentrer sur elles. Il y a les danses berbères, où là, en fait, on commence par la danse et le périnée pour trouver le bon ancrage. Et ce sont des voyages à danser dans ces danses pour capter dans son corps le bienfait de ces danses. Parce qu'avant tout, avant leur forme sublime, et ce qui fait leur forme sublime, c'est qu'elles ont un sens. Elles soignent l'individu dans son corps et dans son esprit. Donc ce sont des voyages à danser. Et puis le stage à Essaouira en novembre, c'est le stage Le Féminin Ancré, où justement on va vivre cette expérience sur mes terres d'origine, hein, au Maroc, enfin, l'Afrique du Nord, la terre africaine. Et vous savez, quand vous posez les pieds sur la terre africaine, vous êtes comme ça, parce qu'il y a une force tellurique. Et donc là, on comprend, donc c'est pour les personnes qui ont envie d'aller. Dans ce voyage de reliance à la nature naturelle de la femme, je nourris toute la retraite par les archétypes berbères autour du soin, autour de les symboles. Donc ça nourrit, c'est autour. En plus, moi, j'aime pas les voyages organisés, donc j'en organise pas pour les autres. Donc, en fait, on est dans un petit village à côté d'Essaouira, un village de pêcheurs, Comment? ce qui s'appelle Sidi Kaouki, Ah, qui est j'adore. un tout petit village encore protégé. On se lève à l'aube, on marche, et à l'aube, la mer, elle est très calme. C'est l'océan. Alors, c'est un océan, hein. Oh, hein, c'est la Bretagne berbère là-bas. Hein. C'est vraiment, j'adore. Et on va à l'aube et on va dans une petite crique. Bon, déjà, on commence par marcher. Le jour n'est pas encore levé. On grogne un peu parce que, bon, hein, quand même. Et puis le corps se réveille, il y a les chiens qui nous suivent, il y a plein de chiens errants. Et donc ils viennent avec nous, ils marchent tranquillement. Et pendant toute la semaine, ils vont nous accompagner. Et si on est bien dans notre rêve, ils vont rester tranquilles. Si on est déconnecté, ils vont commencer à s'agiter partout. Donc on a les ânes, les animaux avec nous.
Et là, on se met devant l'océan et en même temps que le soleil se lève, on fait une salutation qui s'appelle l'Adama, qui est une circulation de mouvements dans le corps en relation avec tes points cardinaux. Wow. Et puis après, on rentre et là, c'est le petit déjeuner marocain, donc tranquille. Et après, on monte sur la terrasse du lieu où on va être accueilli et on va commencer le travail d'ancrage par le périnée jusqu'au rituel. Il y a 14 heures, quartier libre. Et là, on va voir le voisin marocain, on va aller boire le thé là-bas, on va aller faire une balade parce qu'on est le long d'une plage qui s'étire à l'infini, hein, où on pourrait marcher pendant des heures sans rencontrer personne. Enfin, tu vois quoi. Et on revient et on a fait une expérience dont on s'en souviendra toute la vie, parce qu'il y a tout. Tu sais, l'océan, c'est un autre rapport au temps. Il n'y a plus de limite. Et donc, il n'y a plus de limite en soi, dans l'expression de soi. Non, non, c'est une belle expérience. Ben, merci beaucoup, Saïda. Je ne sais pas si tu veux, je te laisse le mot de la fin avant de clôturer et déconnecter. Eh bien, le mot de la fin, il n'y en a pas. Il n'y a pas de fin. Puisque le film, il a commencé avant qu'on arrive et il continuera au moment où on va partir. Donc, j'embrasse tout le monde, toutes les personnes qui sont là à l'écoute, maintenant et plus tard, et je leur souhaite le meilleur du monde. Alors Dominique Doria dit notre corps un véritable tambour émotionnel pour qui sait y avoir accès. Exactement. Alors ben D'autres commentaires? merci. Oui, il y a eu quelques commentaires. Louise Alamine qui dit le nom de la compagnie de danse, je lui ai envoyé. Qu'en est-il de la transe, l'élévation spirituelle? Toujours Louisa. Je pense que vous deux, je vais vous mettre en contact. Je pense que vous avez des choses à vous dire. Merci beaucoup Saïda, merci beaucoup pour Merci. cet échange. Merci d'œuvrer à nous faire prendre conscience que l'humain porte en lui quelque chose qui le relie et qui, en s'ancrant, lui permet d'accéder au subtil, au sacré. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 4 avril pour rencontrer une femme incroyable, Monique Grande, qui a écrit Quand les femmes pensent le monde avec audace et subtilité. Et sensibilité, pardon. Donc le 4 avril, à partir de 19 h, à la librairie à soi pour les Lyonnais et sinon sur Zoom pour les autres. Merci beaucoup et à Et bientôt. merci à toi, hein. Vraiment, c'est formidable les femmes que tu invites, hein. Vraiment, à chaque fois, c'est un pan qui s'ouvre. Ouais, merci, je le fais avec tellement de plaisir si tu savais. Ah oui, c'est extraordinaire. J'espère que ça se voit. Eh À bientôt, bien, je t'appelle à tout de suite. bientôt, au revoir.